C'est bien ça. Le dortoir a un peu changé, mais il y a toujours là la tenture derrière laquelle dormait la surveillante. Mon lit était par là, à peu près en face de la porte. Il portait le numéro 82. Et depuis, j'aime bien ce numéro-là. Et voilà le chemin que nous empruntions chaque matin au lever, avant de passer à table, vers la chapelle, où l'aumônier disait la messe. Et voilà toujours les beaux arbres. Ils sont toujours là. Là, on avait, vers la fin, on avait creusé des tranchées où nous nous abritions pendant les alertes nocturnes. Et je me souviens avoir vu le bâtiment éclairé comme en plein jour. Une nuit qu'un avion passait presque au-dessus de nos têtes, enflammé. Et là, nous jouions aussi. L'infirmerie, la buanderie par là. Et tout autour, tous ces bois, ces plaines, les randonnées, les jeux. Je retrouve tout ça. Et par là, la route où passait, vers la fin aussi, l'armée allemande, en déroute, à pied, à cheval, tirant ou poussant des voitures, à bicyclette, avec ou sans bagages. Comme vous pendant l'exode. Comme nous pendant l'exode, oui, mais... Oui, c'était pareil sans être pareil. Enfin, mes parents sont arrivés. Dès qu'ils ont été libérés, ils ont quitté Bruxelles, ils sont venus me chercher ici. C'est de l'histoire, c'est mon histoire, bien sûr. Mais je pense beaucoup à tous ceux qui ont eu moins de chance. Enfin, voilà. 50 ans plus tard. Et pourquoi ne suis-je pas revenu plus tôt? Ça. Je pourrais en parler à mon psychanalyste. À propos, tu as une adresse? Au fil de nos rencontres, mon père m'a beaucoup parlé de la chance qu'il a eue. Et à plusieurs reprises, cette pensée lui a amené les larmes aux yeux. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'aurait été sa vie sans le poids écrasant de cette chance. J'aimerais comprendre ce qui se cache derrière ce mot. Peut-être l'impossibilité de vivre libre et insouciant, avec la conscience de ceux qui ne vivent plus. Je voulais faire un film sur les enfants cachés. Mmh. Et je t'ai proposé de le faire avec toi. Ce que tu m'as dit tout de suite, c'est que t'avais rien à raconter, que t'avais pas le droit à la parole. Bon, je me dis, qui suis-je pour prendre la parole? Est-ce que tu te dis toujours ça maintenant? Mais je me le dis toujours, mais je me dis aussi, et qui suis-je pour me taire? Ai-je le droit? S'il faut commencer par le début, tout bien réfléchi, ça commence très tôt, longtemps avant la guerre déjà.
d'immigré est un peu, non pas un enfant caché, mais un enfant à part quand même. On a assez tôt, j'ai eu en tout cas assez tôt, le sentiment de ne pas être tout à fait à ma place. Je n'étais pas tout à fait bien dans ma peau. Je voyais que, je sentais que je n'étais pas comme les autres enfants. À partir du moment où j'ai quitté la cellule familiale, à partir du moment où on m'a mis dans une école gardienne, ça a commencé par la langue. Je suis né à Anvers. La première chose que j'ai apprise, c'est Moet Vlaams spreken. On parlait yiddish à la maison. Puis il y a eu quelques manifestations d'hostilité vers le début de la guerre où j'allais encore à l'école, était en 40, en 41, je ne sais pas. Quel âge avais-tu? Mais je suis né en octobre 32, donc quand la guerre a éclaté, j'avais 7 ans et demi. Je me souviens encore de cette belle matinée de mai. Le ciel était tout bleu, j'étais debout dans mon petit lit à côté de la fenêtre, je regardais le ciel bleu et j'entendais tonner le canon. Ça, c'était le début de la guerre. À peu près vers cette époque, il y a eu dans la cour de récréation une scène que je revois encore où on me poursuit, on veut me déculoter. Et ça, c'est, disons, la petite persécution enfantine. Et on me dit ça le polonais. Les nazis ont pris d'infinies précautions pour éviter toute résistance, toute révolte, toute esquive. Ils ont pris à la fois d'infinies précautions et des mesures très précises, très strictes, comme le port de l'étoile. Il fallait la porter, mais on la cachait et on portait quelque chose là, une sacoche, une serviette. Et on était prêt à la découvrir parce qu'on n'avait pas le droit de la cacher, on n'avait pas le droit non plus de ne pas la porter. Enfin, c'était l'impossibilité de vivre. Il fallait se cacher d'exister. La clandestinité n'a vraiment commencé qu'à partir du moment où il y a eu des rafles, à partir du moment où on a compris qu'il fallait se cacher pour survivre, il fallait disparaître. Et on a commencé par cacher les enfants. La plupart du temps, on pouvait cacher les enfants. Quelques adultes ont pu se cacher aussi. Et je suis donc parti dans une famille en Flandre, la famille Latteur. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'ai envie de te dire que, au fond, moi, en tant qu'enfant caché, j'ai pas grand-chose à raconter. Oui, bien sûr, on est marqué, même si on s'en défend. Je crois que de tous les enfants cachés que je connais, je suis probablement le moins marqué ou l'un des moins marqués. Et pourtant, j'ai fait cette expérience de la clandestinité où je ne pouvais pas être moi dans ma deuxième cachette si j'avais un faux nom. Je m'appelais Von Bivoud. Et j'ai dû apprendre à être à la fois sincère et menteur, parce que je voulais vraiment devenir chrétien, mais en même temps, je devais faire bonne figure, cacher ma vraie personnalité. Je ne suis probablement pas le seul, mais et moi moins que d'autres, mais j'ai quand même subi cette indignité de ne pouvoir exister qu'en me cachant. Qu'en cachant mon existence réelle.
Il m'arrive de rêver d'évasion. Je suis quelque part dans un lieu fermé, je cherche à m'évader. Ou bien on me poursuit pour me faire entrer dans un lieu fermé. Et j'essaye d'échapper à ça. Bien que ce ne soit pas obsessionnel, c'est présent quand même. Il m'arrive aussi, dans une maison que je ne connais pas, de repérer les lieux et de voir où on pourrait se cacher. Une trappe, un faux grenier. On a survécu. Et il ne suffisait pas d'être intelligent, fort, riche. Il fallait de la chance. Je préfère dire que certains ont été protégés, que la Providence en a pris quelques-uns sous son aile, et par conséquent, on se sent investi à la fois d'une mission, d'un devoir de mémoire, et d'un devoir de mémoire pour, non seulement pour nous, juifs, mais pour l'humanité. Et d'une culpabilité, peut-être. Et d'une culpabilité, oui. D'une culpabilité, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire « Pourquoi moi ?» Moi, schlaf schon, mein Heutzel, mach zu deine Regele, und ich will da sein bei deine Wiegele. Moi, schlaf schon, meine Lertix, schlaf gier und ganz ruhig, und ich will dir singen a Liederle. Amol is gewesen a Zeit von dir Otzrim, a Zeit von mit Schreck und Gewalt und Geschrei. Vermacht die Waggonen, verschlossen der Himmel, und taub wie die Wand is geblieben die Welt. Je dois dire que j'étais à la fois conscient de ce qui se passait. Je savais que je devais me cacher. La preuve, c'est que j'en ai parlé à ma mère. J'ai dit à ma mère, on me pose des questions, je ne sais pas ce que je leur réponds. Mais l'un des problèmes qui me tourmentait à ce moment-là, pendant toute cette époque, c'était la religion. L'enseignement religieux était omniprésent. Déjà à Berkheim, j'allais à la messe le dimanche. À l'école, on recevait un enseignement religieux par l'instituteur et par M. le curé qui venait une ou deux fois par semaine, je ne sais plus. Et à la colonie à Haas, la présence de la religion a été plus prégnante encore puisque on allait à la chapelle écouter la messe chaque matin. Avant de passer à table. J'étais sensible à cet enseignement et je voulais devenir chrétien. Je voulais me faire baptiser. J'ai fini un jour, tellement cette tension était forte, j'ai fini un jour par rencontrer l'aumônier de la colonie. Je me suis arrangé pour le rencontrer en tête à tête. Et je lui ai fait ma confession aussi, à savoir que je n'étais pas baptisé, que j'étais un enfant juif, etc. Alors il a commencé par me dire, je me doutais bien de quelque chose, je lui ai dit, à quoi, comment? Alors il me dit, mais tu écoutes tellement et tu poses des questions. Je posais en effet des questions en cas de bombardement, en cas de danger de mort violente. Est-ce qu'on peut quand même se confesser? Est-ce qu'on peut quand même gagner le paradis? Alors, donc, il s'était un peu douté de quelque chose, il avait remarqué quelque chose, mais il m'a fait une réponse très sage et très courageuse de la part d'un prêtre dont la mission en général est d'évangéliser et de gagner des âmes, n'est-ce pas, à la chrétienté. Il m'a dit... Et c'était vrai, la guerre va bientôt se terminer, tu vas rentrer dans ta famille, tu réfléchiras, et si au bout d'un certain temps, tu as toujours envie de devenir chrétien,
à le faire. Plus tard, il y a eu un retour donc à la libération, un retour au judaïsme. J'ai fréquenté un peu les mouvements de jeunesse sioniste. Plus d'une fois, j'ai pensé partir en Palestine, je ne suis pas parti. Et puis j'ai eu ma période marxiste, et puis j'ai eu une période de vide comme ça. Et puis maintenant, je reviens au judaïsme parce que je me rends compte que les vraies valeurs de notre monde, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de fort, ce qu'il y a de juste, d'humain, vient de là. J'ai toujours un sentiment, une espèce de dédoublement. Oui, je suis avec vous, mais je n'oublie pas qui je suis. Je ne suis pas tout à fait comme vous. Je ne peux pas l'oublier. C'est dangereux. Dangereux de l'oublier. C'est dangereux de l'oublier. C'est dangereux pour vous aussi. Et je ne peux pas vous le dire tout le temps. Hein, je ne peux pas vous embêter tout le temps avec ça. Pourquoi dangereux pour eux ? 50 millions de personnes ont trouvé la mort dans cette guerre. En Europe. Rien qu'en Europe. Parmi ces 50 millions, 6 millions de juifs. C'est une proportion énorme. Si on pense à la proportion de juifs dans cette population européenne qui vivait à l'époque. 50 millions de personnes tout de même. Mais ça fait quand même 50 millions de personnes. Et toutes ces souffrances. Et ces souffrances que les bourreaux eux-mêmes essaient d'oublier, et leurs enfants et leurs petits-enfants, et qui ne peuvent pas oublier non plus, le passé les rattrape. Si on ne remplit pas son devoir de mémoire correctement, on est condamné à revivre tous ces malheurs-là. Si on ne tire pas la leçon honnêtement, courageusement, on est condamné à retomber dans les mêmes dangers. Et c'est fatigant d'ailleurs d'être toujours le doigt qui pointe, attention, d'être toujours la conscience des autres. Mais c'est déjà fatigant d'être sa propre conscience. Et puis, il y a aussi le fait que on n'arrête pas le progrès, notamment dans la manipulation des documents. Et on peut tout trafiquer. On peut trafiquer les écrits, on peut trafiquer la mémoire par la parole, par les films. On peut trafiquer beaucoup de choses. Mais ce qu'on ne peut pas trafiquer, c'est ce qu'un père a dit à son fils. C'est ce qu'une grand-mère a dit à son petit enfant. Et ça, c'est plus fort. Ça, c'est la vérité. Quand on peut dire ça, je le sais, parce que c'est l'histoire de mon père, parce que mon père me l'a raconté, parce que ma grand-mère me l'a raconté. Ça, c'est la vérité. C'est ça qui est important pour le moment. Et c'est ça le devoir, je crois, de tous ceux qui ont cette mémoire. C'est de la transmettre de cette manière-là. C'est joli, hein, c'est belle fleur. Tu as toute la famille, ça on l'enlève, tu vois. Ça c'est la graine, la petite graine. Oui, ça c'est fini. Oh là là, je vais avoir la main toute jaune. Et toi aussi. Ah oui, la jaune. C'est joli la fleur, hein. Très joli. Non, pas dans la bouche.
ce qui se cache derrière tout ça, pourquoi j'ai les larmes aux yeux. Pourquoi moi, pourquoi pas. Pourquoi un autre, pourquoi pas d'un autre. Et puis, mais je ne sais pas. Mamita te prépare quelque chose de bon. Elle te donne quelque chose de bon. Dan 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 d